tous, je me présente, je Rainerie Jérémy, enseignant en activité physique adaptée et partenaire d'été indien. Je suis titulaire d'un niveau master activité physique adaptée et santé et je vais vous présenter aujourd'hui une petite vidéo sur l'échauffement des seniors. Alors avant de commencer la vidéo, donc on aura comme matériel une chaise qui nous permettra d'avoir toujours un point d'appui proche de nous si jamais on a des pertes d'équilibre. Alors l'échauffement commencera par le bas du corps pour finir par le haut du corps. Chaque exercice sera réalisé 10 fois par membre pour bien faire cet échauffement. Alors, on va commencer par les chevilles. Donc, le premier exercice au niveau de la cheville, nous allons poser la pointe du pied au sol et faire tourner la cheville en rotation. Et pareil avec l'autre cheville. Ensuite, nous allons monter jusqu'au mollet. Donc pour les mollets, avec les pieds écartés un peu plus larges que les épaules, nous allons monter sur les pointes de pied. Également 10 mouvements. Nous allons ensuite passer aux genoux. Donc pour échauffer les genoux, nous allons travailler en talon-fesses. Monter alternativement le talon gauche puis le talon droit vers les fessiers. Nous allons continuer à monter, passer aux cuisses. Donc pour les cuisses, nous allons travailler en montée de genoux. Monter le genou gauche pour aller toucher la main droite et inversement. Donc pour terminer au niveau des jambes, nous allons échauffer la hanche. Donc ici en rotation, on vient faire tourner la hanche vers l'arrière, puis vers l'avant. Et pareil avec l'autre jambe. On en a fini avec les jambes, on va passer maintenant au bassin. Donc pour échauffer le bassin, les pieds écartement un peu plus larges que les épaules. On va travailler en rotation, essayer de faire le cercle le plus ample possible. Donc 10 dans un sens, puis 10 dans l'autre sens. Donc nous en avons fini avec le bas du corps. Nous allons passer à l'échauffement des membres supérieurs. Pour cela, nous allons commencer par les doigts. Donc ici, point fermé, on va tendre les doigts et fermer les poings. On passe ensuite aux poignets. Donc on va échauffer les poignets en rotation. 10 rotations des mains vers l'avant. Puis 10 rotations des mains vers l'arrière. On continue à monter au niveau des bras. On arrive aux coudes. Donc pour échauffer les coudes, on tend les bras sur le côté, paume de main vers le haut. On va simplement venir plier et tendre jusqu'aux épaules. On continue à monter, on arrive aux épaules, donc on positionne nos mains au niveau de la poitrine et on va essayer de venir ouvrir, tirer les coudes vers l'arrière en rotation. 10 mouvements vers l'arrière, puis 10 mouvements vers l'avant. On a fini d'échauffer nos membres supérieurs, donc on va terminer notre échauffement au niveau de la nuque. Donc ici avec un mouvement de haut en bas, on regarde le plafond, puis on regarde le sol,
Et ensuite, la même chose sur le côté. On descend à droite, puis on descend à gauche. Et voilà, notre échauffement est terminé. Vous pourrez retrouver plus de vidéos et de conseils destinés aux seniors sur le site internet d'Eternia. Merci beaucoup, au revoir.